I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Déjà plus d'un an que The Last of Us partie 2 a été annoncé, et très peu d'infos nous ont été partagées. Ce jeu risque d'être un chef-d'œuvre autant que son prédécesseur, et j'aimerais vous proposer un 3 théories car malgré seulement 2 trailers, nous pouvons adéquatement faire quelques suppositions. Mais avant tout, que savons-nous exactement sur The Last of Us 2 ? L'histoire se passe 5 ans après le premier, Ellie possède donc 19 ans et Joël environ 55 ans. L'histoire semblerait se tourner autour de l'histoire d'Ellie et qu'elle est très en colère après un groupe de personnes. Joël veille toujours sur elle et nous suivrons leurs aventures. Bref, je vois pas trop quoi rajouter sans devoir théoriser, donc amenons les théories. Un trailer plutôt intriguant est sorti il y a maintenant 3 mois, mettant en scène de nouveaux personnages inconnus jusqu'à ce jour, dont deux jeunes protagonistes asiatiques et une jeune femme prête à être pendue du nom de Laura Bailey. Les deux femmes sont capturées par 3 protagonistes semblablement considérés comme les méchants, et se font au final tuer par Lev, le jeune garçon. Cependant, avant son intervention, le groupe de mauvaises personnes voulait pendre à moitié Laura et la punir pour ses péchés. La femme commence à planter un couteau dans le ventre de la jeune femme en prononçant ces mots. Ses péchés seraient alors dans son ventre, d'après ce que nous pouvons comprendre, juste avant que la petite fille n'intervienne. Le groupe de méchants pourrait en vouloir à Laura pour ce qu'elle a dans le ventre. On pourrait donc imaginer qu'elle est enceinte. Le groupe d'antagonistes pourrait être des gens appartenant à un groupe, éliminant des types de personnes précises en rapport avec leurs croyances et leur religion. D'après ce que nous voyons, elle semble clairement lui en vouloir pour ce qu'elle a dans le ventre, on dirait. Les autres cadavres n'ont pas le ventre découpé, eux. Laura doit certainement cacher quelque chose, et le groupe voulait certainement la tuer pour éviter que des gens de son espèce se reproduisent ou je ne sais quoi. Bref, ils lui en veulent. Maintenant, rappelez-vous d'Anna. Anna est la mère d'Ellie, et je vous en avais déjà parlé dans mon 3 théories sur The Last of Us, qui commence d'ailleurs à dater. Laura serait donc la maman d'Ellie. Comme premier argument, rappelez-vous des easter eggs partagés via Naughty Dog. Un était caché dans le premier The Last of Us annonçant Uncharted 4, qui fut s'avéré être le prochain jeu prévu par Naughty Dog. Et bizarrement, dans Uncharted 4, un easter egg montrait un poster avec une femme enceinte, et écrit The Last of Us American's Daughter. Les théories des fans étaient donc déjà lancées, que The Last of Us 2 montrerait la mère d'Ellie lorsqu'elle était enceinte, soit Anna, c'est un argument majeur. Ensuite, si nous reprenons le premier trailer partagé sur The Last of Us partie 2, nous voyons Ellie en colère qui aimerait tuer chacun d'entre eux. Si nous relions ceci au deuxième trailer de The Last of Us 2, on pourrait penser qu'Ellie parle du groupe qui a torturé, voire même plus encore, Laura Bailey. Soit Anna, d'après la théorie. Donc la mère d'Ellie. Ils ont fait souffrir sa mère, et certainement tuée, car dans The Last of Us premier du nom, Anna est déclarée morte, c'est aussi un argument majeur. Enfin, pour terminer, je vous avoue que la première fois que j'ai vu ce trailer, j'ai cru que Laura était Ellie, de par la ressemblance, puis je me suis rendu compte que c'était une autre personne. Mais le plus intriguant reste un tweet de Naughty Dog hypant encore plus la communauté de fans. Ces derniers déclarent Laura Bailey is... Ce tweet prouve bien que ce personnage n'est pas là par hasard, et que son identité est cachée, d'où le Laura Bailey qui serait en fait Anna, la mère d'Ellie. L'intrigue est réellement présente, et je suis curieux de voir ce que Naughty Dog va nous proposer à son sujet. Bref, passons à la suite. Nous ne savons rien du scénario prévu pour The Last of Us 2, on ne connaît même pas sa date de sortie. Pourtant, quelque chose me dit que nous allons avoir un jeu avec un double scénario. Deux trailers nous ont été montrés, un dans le présent où Ellie a 19 ans et un autre où nous voyons Laura Bailey, qui serait normalement la mère d'Ellie.
Personnellement, je pense que The Last of Us 2 sera comme Final Fantasy VIII pour les connaisseurs. En gros, dans Final Fantasy VIII, nous incarnons Squall et son groupe, mais à plusieurs moments du scénario, pour comprendre l'histoire et les détails, nous sommes ramenés dans le passé par le biais d'Elon, pour nous montrer les aventures de Laguna, le père de Squall. Le jeu intervertit entre l'aventure du présent de Squall, le fils, et le passé avec les aventures de Laguna, son père. Eh bien, je pense sincèrement que The Last of Us 2 sera du même type. D'après les deux trailers, on pourrait supposer que nous vivrions une histoire dans le présent avec Ellie, qui souhaiterait connaître ses origines et venger sa mère qui fut maltraitée et même tuée. Cependant, en avançant dans l'histoire et au cours de l'enquête d'Ellie sur ses origines, on serait amené à vivre des scènes du passé où nous incarnerions Laura Bailey, la mère d'Ellie, et nous vivrions son histoire, ses aventures, et sa période de grossesse, et peut-être même qui serait le père d'Ellie. Je pense sincèrement que le jeu se tournera vers l'histoire d'Ellie que nous ne connaissons que très peu au final, contrairement à Joël auquel on sait déjà énormément de choses sur son passé, mais rien sur Ellie. Ellie cherchera donc ses origines dans The Last of Us 2, avec Joël pour veiller sur elle, et revivre des scènes du passé de cette dernière. D'ailleurs, apparemment, Ellie serait née en 2018 dans l'histoire du jeu. Quoi de mieux qu'une histoire sur sa famille pour ce deuxième opus prévu pour fin d'année ou début 2019, comme par hasard. Cependant, nous vivrions aussi la mort de la mère d'Ellie si nous suivons son histoire, car, vous le savez, elle est décédée dans le premier The Last of Us, donc avant les 14 ans d'Ellie. Je suis content que Naughty Dog tournerait possiblement le jeu vers Ellie, qui est réellement un personnage très attachant. On savait déjà énormément sur Joël, mais pas sur elle. J'espère avoir raison dans ce cas-là. Wait! Let me go! Please. You just come after her. Pour cette dernière théorie, j'aimerais retourner sur The Last of Us premier du nom. Vous le savez, Ellie a été recueillie par Marlene, chef des Lucioles. Il est dit qu'apparemment, c'est sa mère qui a confié Ellie à Marlene et qu'elle possède un pouvoir très spécial. Celui que vous connaissez tous, qu'elle est immunisée contre les infectés. Mais qui nous dit que Marlene ne nous a pas menti? C'est elle qui dit que c'est la mère d'Ellie qui lui a confié sa fille, et elle a fait croire à Ellie énormément de choses, au point qu'Ellie s'y référerait comme si elle était sa propre mère. Alors qu'en fait, Marlene se servait d'Ellie depuis le début, juste pour posséder un sérum pour contrer l'épidémie d'infectés. Marlene est douée pour le mensonge et les coups par derrière, et elle l'a déjà montré à plusieurs reprises, alors pourquoi lui faire confiance? Qui nous dit que ce n'est pas elle et son groupe des Lucioles qui auraient tué la mère d'Ellie pour s'emparer d'elle justement et donc posséder l'antidote contre l'infection? Cela expliquerait encore plus de choses. Déjà, quand Joël sauve Ellie dans The Last of Us premier du nom, il tue seulement Marlene. Les Lucioles sont toujours un groupe actif, donc il se pourrait qu'un ou une autre ait pris la place de Marlene et soit le nouveau leader. Oui, cela pourrait expliquer la colère d'Ellie. Après tout, elle était très attachée à Marlene. Cela pourrait résonner pour elle comme une traîtrise, sans oublier que Joël lui a menti sur l'opération, pour finalement la sauver. Joël devra forcément lui dire la vérité à un moment ou à un autre. La colère d'Ellie pourrait signifier qu'elle veuille tuer le groupe des Lucioles définitivement, et prendre sa revanche sur ces derniers qui auraient tué sa mère. J'ai un argument clé pour vous le prouver. Si vous revoyez le premier trailer de The Last of Us Partie 2, nous sommes dans une ville déserte fouillée par Joël et Ellie. Cependant, avant de les apercevoir, nous sommes face à un panneau avec le symbole des Lucioles. Ce symbole sur le panneau montre que ces derniers sont passés par là et ont habité les lieux. Ensuite, Ellie nous dit qu'elle veut tuer chacun d'entre eux. Pour moi, cela veut tout dire. Ils sont sur la trace des Lucioles pour justement les traquer et les tuer. Ils sont arrivés dans l'un de leurs anciens camps et vont poursuivre leur route. Pourquoi aller ici? Dans un endroit normalement fréquenté par les Lucioles. Et en plus, avec une telle rage au fond d'Ellie. C'est une mise en scène réellement explicite, et j'espère avoir été clair dans ce que je voulais dire. Enfin, pour terminer, si Laura Bailey est la mère d'Ellie et que le groupe de méchants faisait partie des Lucioles, cela veut dire que ces derniers voulaient certainement lui découper le ventre pour s'emparer d'Ellie, car quelque chose était peut-être mystérieux. Comme un sérum détecté via le fœtus, pourquoi pas? Ou peut-être empêcher ces dernières d'avoir un enfant, car elle était déjà peut-être prédisposée dans ses gènes à posséder un sérum, et donc cela atterrit sur la génération d'Ellie, on ne sait pas.
En tout cas, j'espère que mes mystères et mes théories vous auront plu. The Last of Us m'a réellement marqué et fait partie pour moi du Saint Graal du jeu vidéo. Je suis certain que le deuxième opus sera aussi incroyable que le premier, même si nous n'aurons pas la surprise de la découverte cette fois-ci. Faisons confiance à Naughty Dog. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les plus acharnés d'entre vous. C'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous.